Salut à tous, c'est Monsieur Saika avec Link, Turo et Bossuère. Salut les gars. Salut. J'ai cru qu'il allait pas réagir. Donc, vous venez sûrement de visionner le Time Lapse, donc on va faire un petit point comme ça ensemble, tous ensemble, pour vous expliquer un peu les petits détails, quoi. Donc, c'est parti, vas-y, qui c'est qui veut nous présenter quoi? Link? C'est toi qui m'y colle tout le temps, quoi. Présente-nous la façade. Donc alors, la façade. Belle façade. Très belle façade. Donc non, là vous voyez deux petits trous, enfin deux petits trous, deux gros trous, c'est pour faire passer le passage de l'eau. Il faut savoir que le barrage est automatisé, donc il y a un levier dans la tour qui est ici. C'est Bossuère qui permet qui nous a fait un venti système en redstone. Voilà. Vous pouvez voir en fait le contraste stone avec stone brick. Qui rentre bien. Et qui rentre très bien parce que la stone brick en fait éclaire littéralement le phare avec les Je vais vous ouvrir les vannes. Voilà, fais-y plutôt plaisir. Je vous montre ça. Attention, 3, 2, 1. Donc là, vous voyez, l'eau arrivée tranquillement. Et c'est quand même super chouette, quoi. Ouais. C'est quand même. Enfin, je veux pas dire, ouais, on a fait des trucs trop beaux, mais là, franchement, les gars. Voilà, donc un peu le rendu. Un peu. De... Laisse ouvert. Le rendu est plutôt sympa. De nuit avec les flammes de Turo. Voilà. Donc, autre chose à savoir, c'est que sur le phare, il y a une route, et qu'on utilisera cette route plus tard, qu'on la fera un autre jour. Sauf que c'est un barrage, pas un phare. C'est un barrage, punaise, excuse. C'est pour la porte et l'étable. C'est ça, entre guillemets. Ouais, c'est ça. T'as vu, t'as marqué d'ailleurs, j'ai mis des annotations. Oui, et tout, bon, ouais. Donc voilà, et puis bah, vous pouvez le voir de dos, en fait. Alors en fait, si vous voulez, pour tout savoir, c'est qu'en fait, le vrai niveau de l'eau, il est de l'autre côté, en fait. Et que dans une folie destructrice, Turo a fait une vallée. Niveau, et après là-bas, ouais, c'est Turo qui a terraformé. Il a tout baissé le truc et ça rend vachement bien. Et en fait, voilà, ça rend comme du ça. Du coup, on a les égouts qui jettent en même temps que le barrage se jette. Il y a tout qui rend cohérent, je trouve. C'est, ouais, c'est clair que c'est plutôt sympa. Il y a presque. Ouais, il y a juste l'égout qui est pas totalement au niveau de l'eau, mais c'est pas gênant. Comment ça? Il est juste un peu. Au contraire, ça se jette. Ah, oui, ça se jette. Oui, oui, non, ouais, c'est pas du tout gênant. De toute façon, le lot des égouts vient de plus haut encore. Ouais, c'est ça. De toute façon, dans notre projet, il y aura une rivière qui sera tout au sommet de la, partira du tout au sommet de la montagne et qui traversera les différents quartiers. Et enfin, on vous montrera ça. Et on ici, a plein de petits leviers pour activer. Hop là. Avec des petits bras zéro éclairés. T'as réactivé là. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a parfois de la stone brick cassée, de la stone brick mouchue, etc. C'est les petits détails qui font leur faire. C'est pour donner, c'est le petit détail, et puis c'est pour donner de l'âge un peu à ce barrage, et non pas à ce phare. Voilà. Là, si on se met là, on semble un peu une espèce de tête d'araignée. Voilà, ben on va clôturer ici pour ce timelapse en espérant que ça vous a plu. Que n'hésitez pas à commenter, à nous dire un peu ce que vous pensez de tout ça. Et puis nous, on va continuer. C'est dégueu. On va continuer à attaquer dur le serveur, la construction. Donc ça avance, vous inquiétez pas. Et puis voilà, personne, tu as à vous dire. On vous tiendra au courant de l'évolution du serveur. Pour l'instant, il n'est pas ouvert. On vous tiendra surtout au courant de, parce que là, nous allons faire l'aspect construction. Il va falloir aussi que notre serveur codeur, que vous n'avez toujours pas vu, s'attaque à l'aspect configuration et codage de plugin. Voilà. Mais voilà, on vous tiendra au courant de tout ça. Petite vision de jour. Voilà, petite. Donc, ben, on fait. Et puis, franchement, pour chipoter, je veux dire, c'est que les bras zéro de jour, ils auraient pu s'éteindre, quoi. Bossuère, t'as pas géré. Le mec est super excitant. Je vais essayer de le faire, Non, t'en prends pas la tête, c'est très beau comme ça. Avec la petite arche en fond. Ah, la petite arche, c'est une erreur de terraformation. Il faut savoir que Turo Turas, pour l'anecdote, en fait, il a bien terraformé, etc. Pour ceux qui utilisent le terme. Il a trop terraformé, c'est-à-dire qu'on a trouvé des rivières, quasiment pas le bout de la map, vachement loin, avec des trous dedans. C'est de terraformation. On a dû tout remettre et tout ça, enfin bref. C'était assez marrant. Donc voilà, on se laisse ici donc, et puis n'hésitez pas à aimer, à partager et tout. Allez, ciao tout le monde. Pour ne pas aimer d'ailleurs. Ciao. Salut. Obligé d'aimer.